Quelle attitude devons-nous vraiment avoir dans la lutte? Quelle attitude devons-nous vraiment avoir dans le combat? Il faut que nous puissions arrêter de faire une politique de la haine, de division, une politique de méfiance, des insultes. Parce que lorsqu'on insulte, on n'encourage pas, on ramène toujours la division. Et le temps que nous avons est court. C'est dans ce temps court que nous devons tous être présents. Nous devons tous commencer à réfléchir sur des choses que nous devons mettre en place. Mais si nous commençons toujours à rentrer dans le trouble permanent, cela veut dire, c'est comme si nous sommes en train de dérouler le film de 2011. Chose, erreur que nous devons arrêter. Le combattant ou la lutte en question basée sur l'idéologie des combattants doivent être claires.